Voilà, on a fait 15 premiers jours très denses sur la partie athlétique, avec un nombre de séances assez conséquente. La majorité, voire quasiment toute la totalité de l'effectif a pu participer à ces 15 premiers jours. On n'a pas eu de pépins musculaires. C'est sûr que ce soir, on est très malheureux pour Joseph parce que voilà, il, sur une dernière action du match, il se blesse assez gravement. Donc on va l'accompagner. L'objectif maintenant pour lui, c'est de vite se faire opérer, de récupérer le plus rapidement possible. C'est le seul bémol de ces 15 premiers jours. Après, sur le match, il y a eu des choses intéressantes dans les demi-temps avec des buts. Voilà, il y a beaucoup de positifs sur ces 15 premiers jours. Maintenant, il faut continuer à avancer, à progresser, à travailler, à intégrer les nouveaux joueurs qui vont arriver pour que ce collectif continue à se bonifier et puis surtout être prêt pour ce premier match de championnat. C'est que l'ensemble de l'effectif ait du temps de jeu, c'est-à-dire que tout le monde ait au minimum 45 minutes avec la gagne au bout, parce que c'est important, les matchs de préparation on les joue, mais surtout pour les gagner aussi. Et puis après, on travaille plusieurs organisations, il faut être capable de switcher en cours de match aussi sur des organisations, c'est ce qu'on a fait sur les demi-temps, et là-dessus je suis satisfait, parce que les joueurs commencent à intégrer ce que je leur demande. On a encore du chemin à parcourir pour peaufiner tout ça, mais ça, c'est intéressant. Ouais. J'ai mis du temps à me mettre dedans, sûrement dû à la semaine très physique qu'on a fait. Puis en fin de semaine, je m'étais fait mal un peu à la cheville, donc c'était le temps de reprendre mes marques. Ça fait 2 mois que j'étais sans jeu parce que j'avais un souci à la cheville aussi quand j'avais fini la saison à Caen. Donc c'était déjà un plaisir de refouler une pelouse sous de nouvelles couleurs et... C'est bien, tant que ça m'a apporté de la joie et ça a apporté de la joie à mes coéquipiers. Et par la suite, on a réussi à enchaîner. J'ai pu aussi distribuer une passe D à Moussa Doumbia et je suis content qu'il ait marqué aussi. Les 15 premiers jours, c'était la première phase où, je le répète, il y avait beaucoup de densité athlétique sur les séances. C'était indispensable de passer par là. Maintenant, on rentre plus dans l'affinement et le projet de jeu avec 4 matchs de préparation. Il nous reste 3 grosses semaines à travailler pour être prêt contre Paris. Donc on va couper demain pour l'ensemble de l'effectif et le staff. Et à partir de dimanche, on reprendra pour partir en stage dans la foulée. Donc 3 semaines intéressantes. Ouais. Je me sens bien, ils m'ont vite bien accueilli tout le monde. Je me sens. Comme si ça fait déjà des années que je suis là, alors que ça fait que quelques semaines. Et franchement, je me sens bien dans ce collectif. Et puis, le plus important, c'est de répondre présent le 1er août face au PFC. Mais c'est bien d'engranger de la confiance. Ça part aussi de la préparation. On considère ces matchs comme peut-être pas des matchs de championnat, mais des matchs qui doivent nous mettre dans le rythme pour arriver avec de bonnes armes face au PFC. De la cohésion aussi, parce que c'est important d'apprendre à se connaître, même si sur cette quinzaine, on va passer beaucoup de temps ensemble, mais aussi intégrer les nouveaux qui vont nous rejoindre. Il y aura plein de choses à faire, des entretiens aussi individuels avec les joueurs, parce que je veux avoir leur ressenti. C'est la vie d'un groupe, d'un collectif, d'une équipe, et surtout 2 matchs de préparation aussi cette semaine qui arrive au stage contre Bourg et contre Nyon. Continuer à avancer, continuer à progresser, puis continuer à être très ambitieux dans le jeu. De créer plus de cohésion et continuer à s'aguerrir dans notre préparation et continuer à créer une osmose parce que beaucoup de joueurs ont rejoint Sochaux dont moi. Donc il faut vite se mettre au diapason et continuer à créer un collectif. Ça s'est vu cet après-midi qu'on s'apprécie tous et qu'on essaye de tous se chercher sur le terrain et on va continuer dans ce sens-là. C'est des images qu'on aime pas voir et qu'on espère que ça se reproduise pas, mais en tout cas, il sera dans nos pensées dans tous les entraînements et tous les matchs qu'on abordera et on jouera pour lui.